Chers amis, nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour tant d'amour déversé envers nous à travers son Fils Jésus-Christ. Et merci à Jésus d'avoir accepté ce sacrifice par amour pour nous. Et merci au Saint-Esprit de nous faire comprendre ce sacrifice et de l'appliquer dans nos vies. Alléluia. Nous, j'espère que nous avons grandi cette semaine dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Je vous invite à prier maintenant. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette semaine d'étude. Et il se peut que nous avons eu des doutes dans nos vies dans le passé. Mais nous croyons aussi que cette semaine nous a aidés à mieux te connaître, Père, à mieux comprendre l'amour que tu as pour nous, comprendre le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Et je crois que nous avons été touchés. Et que maintenant nous sommes prêts à nous laisser attirer par toi et à tomber amoureux de toi, Père, et de ton Fils Jésus. Alors merci de tout ce que tu fais et continue à nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre Jésus-Christ, page 692, ce qui suit. Trois fois il répéta cette prière. Par trois fois l'humanité de Jésus a hésité devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Maintenant, l'histoire de la race humaine se présente à l'esprit du Rédempteur du monde. Il voit qu'abandonnés à eux-mêmes, les transgresseurs de la loi sont destinés à périr. Il voit l'homme dans un état désespéré. Il aperçoit la puissance du péché. Le malheur et les lamentations d'un monde condamné se dressent devant lui. Sa décision est prise. Il sauvera l'homme à n'importe quel prix. Il accepte le baptême du sang, pourvu que des millions d'êtres humains obtiennent la vie éternelle. Il a quitté les parvis célestes où tout est pureté, bonheur, gloire, pour sauver l'unique brebis perdue, le seul monde qui soit tombé dans le péché. Il ne renoncera pas à sa mission. Il deviendra une victime de propitiation pour une race vouée au péché. Sa prière ne respire plus que la soumission. S'il n'est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Fin de citation. Maintenant, notre moment de question du vendredi. Comment cette connaissance que Dieu lui-même, en la personne de Christ, a souffert plus que quiconque d'entre nous, nous aide elle chers amis, dans nos propres souffrances Que devraient signifier pour nous les souffrances de Christ en notre faveur Quel réconfort pouvons-nous tirer de cette vérité étonnante En réfléchissant à votre réponse, gardez à l'esprit la déclaration suivante de G. White. Dans Message choisi, volume 3, page 129, toute la souffrance qui est le résultat du péché a été versée dans le sein du Fils de Dieu sans péché. Je vous invite à réfléchir en classe, en famille, en groupe aux souffrances de Jésus-Christ et à tout ce que nous avons appris cette semaine à travers cette leçon. Quels étaient les creusets auxquels Christ a fait face En quoi sont-ils comme les nôtres et en quoi sont-ils différents Que pouvons-nous apprendre de la façon dont il avait géré ses défis Pouvons-nous aider au milieu de nos propres creusets quelles sont certaines de vos promesses bibliques préférées Des promesses auxquelles vous pouvez vous accrocher au milieu du chagrin et de la douleur Rédigez un paragraphe de résumé en soulignant les quelques points principaux que vous avez tirés des leçons de ce trimestre, de ces trois mois d'études. Quelles réponses avez-vous eues aux questions que vous aviez Quelles questions restent sans réponse encore Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à travailler sur ces choses qui nous laissent encore beaucoup plus perplexes et nous dérangent. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à nous réunir en famille, en groupe, afin d'étudier la parole de Dieu, chers amis. Oui, que l'Esprit du Seigneur nous accompagne dans nos moments de réflexion. Chers amis, en résumé, nous voyons que dès les premières heures de sa vie, Jésus avait vécu et était entouré de tragédies et de souffrances humaines. Le déni, le rejet, la pauvreté et l'humilité, la souffrance physique, le massacre, la persécution et la fuite. Tout au long de son enfance, Jésus continuait à faire l'expérience de la souffrance humaine. Cependant, le baptême de Jésus au début de son ministère indiquait son entrée dans le creuset pour lequel il était venu sur terre, le type de ministère qu'il était venu accomplir. Pourquoi avait-il été baptisé S'il n'avait aucun péché Bien sûr. Il avait été baptisé pour nous donner l'exemple. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus reçoit le baptême, mais il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance et d'endurance à partir de son baptême doit aussi nous servir d'exemple. La mort de Jésus, tout comme son baptême, était unique, alors que tous les humains qui meurent connaissent la mort en tant qu'être humains pécheurs. Jésus, le Fils sans péché de Dieu, mourut la mort qui représente le jugement de Dieu sur le péché. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est l'événement le plus singulier et le plus extraordinaire de l'histoire de l'univers. Aucun humain ne pouvait mourir de cette mort et revivre. Aucun humain ne pouvait mourir de cette mort et devenir le Sauveur du monde. Mes amis, au fur et à mesure qu'il s'approchait de gestes émanés, l'attitude de Jésus devenait étrangement silencieuse. Souvent, il était venu méditer et prier à cet endroit. Et cette nuit où devait avoir lieu sa dernière agonie, il éprouvait une douleur qu'il n'avait jamais ressentie. Durant toute sa vie terrestre, il avait marché dans la lumière de la présence divine. Alors qu'il se trouvait en conflit avec des hommes qu'inspirait l'esprit de Satan, il pouvait dire, Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais cette fois, il paraissait privé de la présence réconfortante de la lumière divine. Il était maintenant compté parmi les transgresseurs. Il lui fallait porter le poids de la culpabilité de l'humanité déchue. L'iniquité de nous tous devait reposer sur celui qui n'avait pas connu le péché. Le péché lui paraît si redoutable, le fardeau de la faute est si lourd qu'il craignait de se trouver pour toujours privé de l'amour de son père sachant que la version du est pour le péché il s'écrit mon âme est triste jusqu'à la mort chers amis au milieu de notre souffrance il y a deux choses que nous devrions garder à l'esprit sans cesse premièrement Jésus que notre seigneur avait souffert plus que quiconque depuis que la terre existe à la croix ce sont nos souffrances que Jésus a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé nous les humains, nous souffrons seulement en tant qu'individus, mais lui Jésus a souffert de façon corporative pour nous tous, c'est-à-dire pour l'humanité entière. Deuxièmement, lorsque nous souffrons, nous devons nous souvenir toujours des résultats de la souffrance de Christ, c'est-à-dire de ce qu'il nous a promis par ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. En conclusion, quelles que soient nos souffrances ici, grâce à Jésus, nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse qu'à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de la plénitude de sa vie parfaite et de son sacrifice parfait, notre existence ici-bas, même si elle est parfois pleine de douleurs, de déceptions et de pertes, n'est qu'un instant, un éclair temporel, contrairement à l'éternité qui nous attend, une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, sans péché, sans souffrance et sans mort. Alléluia. Oh mon ami, après avoir été sauvé par la grâce, par la mort de Christ sur la croix, chacun de nous a le choix d'accepter le sacrifice de Dieu en sa faveur et retourner à son royaume de lumière, de grâce et d'amour. Ou alors de rejeter son grand sacrifice et disparaître dans l'inexistence éternelle. Alors choisis dès aujourd'hui. Mais choisis, je t'en supplie, l'amour. Choisis la grâce. Choisis la vie. Choisissez. Mes amis, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la vie de Dieu, cela vous rendra heureux, cela rendra vos proches heureux, et cela rendra Dieu heureux. Alléluia. Oh mes amis, sachez que c'est avec plaisir que j'ai pu partager avec vous la leçon de l'école du sabbat de ce troisième trimestre 2022. Si c'est la volonté du Seigneur... Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la leçon de ce quatrième trimestre 2022 qui va nous amener du mois d'octobre à décembre 2022 et qui aura pour thème la vie éternelle, au sujet de la mort et de l'espérance à venir. Que Dieu nous garde et nous bénisse, et à une prochaine fois chers amis.